Bonsoir à toutes et tous, et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous des Rancards du Savoir organisé par l'Université de Bordeaux. Alors, nous nous retrouvons ce soir pour un ciné-débat exceptionnel, et ce, à double titre. Tout d'abord, parce que nous allons visionner ensemble un documentaire inédit produit par l'Université de Bordeaux, un documentaire qui s'intitule Cumila pour innovation culturelle au cours de la préhistoire en Afrique de l'Est. Cumila étant d'ailleurs le nom du projet scientifique qui va vous être présenté dans ce documentaire. Mais nous nous retrouvons aussi à l'occasion d'une découverte archéologique majeure qui a fait l'objet ce mercredi d'une publication dans une revue scientifique prestigieuse que vous connaissez peut-être, Nature. Les auteurs, ils sont au nombre de 36. C'est des chercheurs issus de laboratoires européens, américains et australiens. On compte 28 laboratoires en tout. Une vraie collaboration internationale, donc, avec des travaux qui se sont étalés sur une durée de 3 ans et auxquels ont participé deux laboratoires bordelais, PACEA, qui veut dire de la préhistoire à l'actuelle culture, environnement et anthropologie, et qui est rattaché à l'Université de Bordeaux, au CNRS et au ministère de la Culture, et puis le laboratoire IRAMAT CRP2A pour Institut de recherche sur les archéomatériaux et Centre de recherche en physique appliquée à l'archéologie, qui lui est porté par l'Université Bordeaux-Montaigne et le CNRS. Alors, avant d'aborder cette découverte, dont certains d'entre vous ont dû entendre parler, j'imagine, puisque les médias ont commencé à s'emparer du sujet, eh bien, je vous propose de partir en expédition, de chausser de bonnes baskets de rando, de mettre une lampe frontale sur le chapeau et de vous aventurer dans une forêt luxuriante au nord de Mombasa, au Kenya. Et là, tels des Indiana Jones, vous allez découvrir, au cœur d'un paysage karstique, rocheux, eh bien, un complexe de grottes nommé Pangaea Saidi. C'est un site qui a déjà été étudié en fait depuis 2010 et qui a révélé son lot de surprises, des outils, des objets de la vie quotidienne, des traces de vie humaine qui attestent que le site a été habité sur une longue durée et ce depuis 78 000 ans. Alors, l'originalité de cette nouvelle expédition à Pangaea Saidi, qui est contée dans ce documentaire, c'est que cette fois-ci, les chercheurs aventuriers avec lesquels vous allez partir, eh bien, ils n'y sont pas allés pour réaliser des fouilles. Vous devez vous demander d'ailleurs qu'est-ce que peut bien faire un archéologue en mission à l'étranger si ce n'est pas pour fouiller? Eh bien, je n'en dis pas trop, mais comme vous allez le voir, il y a beaucoup à faire et c'est essentiel. L'objectif étant notamment de créer un référentiel qui va permettre d'analyser les artefacts qui auparavant avaient été trouvés et de pouvoir ainsi interpréter leurs usages, notamment en ce qui concerne l'utilisation de coquillages et de fragments d'ocre, comme vous allez pouvoir le voir. Autant d'éléments qui amènent à penser, voire même à repenser, l'évolution de la cognition de l'espèce humaine et en parallèle le développement des pratiques sociales et culturelles dans les premières sociétés de l'homme moderne. Alors, cette mission Cumula, elle les a amenés à participer à un travail scientifique qui, en fait, s'est greffé de manière assez impromptue. C'est cette fameuse découverte qui est relatée dans Nature. Alors, vous allez le voir, dans le documentaire, elle n'est abordée que dans les dernières minutes. Et je vous invite donc à vraiment rester avec nous ensuite, durant un temps de débat, pour en apprendre bien plus à ce sujet. Quatre chercheurs du laboratoire PACEA seront là pour répondre à vos questions, dont trois d'entre eux d'ailleurs qui ont participé à la mission Cumila et à cette récente publication scientifique. Voilà, je les laisserai se présenter après le film pour ne pas risquer, par leurs objets de recherche, de vous spoiler un petit peu sur le contenu. Et je vous dis donc, bonne séance, à tout à l'heure. Quand et de quelle façon nos ancêtres ont-ils développé des cultures comparables aux nôtres? Ont-ils été capables d'innover, d'accumuler des savoirs, de s'entourer de symboles, de diversifier leurs structures sociales et leurs économies pour les adapter à différents environnements? Pendant longtemps, les chercheurs ont été convaincus que nos capacités cognitives seraient apparues soudainement, il y a 50 000 ans. Les peintures et les objets d'art retrouvés dans les grottes européennes et datés de la dernière époque glaciaire semblaient apporter la preuve évidente de ce changement soudain. Au début des années 2000, de nouveaux éléments ont amené les chercheurs à penser autrement.
La cognition moderne se serait plutôt développée il y a 200 000 ans, en Afrique, et serait la conséquence directe de l'apparition sur ce continent de notre espèce, l'Homo sapiens. Mais de récentes découvertes remettent en question cette vision. Pour la recherche actuelle, l'émergence de l'humanité moderne en Afrique est un processus étalé sur 300 000 ans. Il serait alors illusoire de chercher un point d'origine unique, puisque ce processus aurait impliqué, à des degrés différents, des populations de toutes les régions d'Afrique et d'ailleurs. Les principaux sites archéologiques africains, qui ont livré des traces d'importantes innovations culturelles, sont concentrés au sud et au nord, laissant un grand vide sur la majeure partie de ce continent. Sur la côte est, au bord de l'océan Indien, Pangaea Saïdi est aujourd'hui un site archéologique clé pour l'étude de cette période, le Middle Stone Age, qui va d'environ 300 000 à 40 000 ans avant le présent. Plusieurs fouilles ont découvert une multitude d'outils en pierre taillée, mais aussi des outils en os, des coquillages ayant servi à confectionner des parures, ainsi que des fragments d'ocre utilisés et gravés, datés entre 75 000 ans et le présent. L'étude de ces objets permet aux chercheurs de comprendre comment les sociétés humaines ont développé des cultures modernes dans cette région du monde. Une des grandes questions qui intéresse les scientifiques et sur laquelle je mène des recherches est à partir de quand et de quelle façon nous avons développé des comportements qui rendent les sociétés humaines différentes à plusieurs égards des sociétés animales. Notre projet peut contribuer à reconstituer des aspects fondamentaux de l'évolution culturelle des populations vivant dans l'Est de l'Afrique au cours des derniers 90 000 ans, et en particulier à mieux comprendre leurs pratiques symboliques, où ils cherchaient l'ocre rouge, comment ils l'utilisaient, reconstituer comment ils fabriquaient les parures, comment ces parures ont évolué, sur quel territoire ils se déplaçaient, quel type de relations ils avaient avec les populations limitrophes et en quoi leur culture était différente, par exemple, de celle de l'Afrique du Sud ou de la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Érythrée, Somalie. Nous sommes un laboratoire d'archéologues et d'anthropologues et les collègues avec qui nous collaborons à Bordeaux sont plutôt des archéomètres, c'est-à-dire des chercheurs qui appliquent des méthodes d'analyse au matériel archéologique. Une bonne partie d'entre eux sont des physiciens à l'origine et nous venons plutôt des sciences humaines ou des sciences naturelles. Les vestiges archéologiques que je te dis se trouvent sous la forme d'objets plutôt solides, souvent facettés ou striés avec des marques d'usage. Il s'agit d'oxyde de fer. Mon objectif est celui de reconstituer la chaîne opératoire des activités liées à l'acquisition, la transformation, l'utilisation et l'abandon des matières premières colorantes trouvées dans les sites de Pangaea Saïdi. Je travaille sur ce matériel depuis 4 ans. Pourtant, je n'ai jamais eu la possibilité de visiter les sites. Donc, ce projet est une bonne opportunité pour enfin connaître les sites et comprendre sa relation avec les paysages. Je suis un spécialiste de la caractérisation des matières premières minérales utilisées durant la préhistoire. Pour la partie analytique qui viendra à la suite de la mission, je travaillerai avec les membres de l'équipe sur les échantillons d'ocre, en particulier sur l'analyse statistique des résultats et leur interprétation. J'aide à l'analyse des objets de parure en coquillage pour comprendre comment les coquillages ont été choisis, aménagés pour en faire des objets de parure et aussi portés. L'Afrique, c'est grand, je ne suis jamais allée plus loin que l'Afrique du Nord. Les services de sécurité et défense du CNRS autorisent la mission, donc il n'y a pas de danger. Un peu de bon sens lors des missions à l'étranger est toujours nécessaire, que ces missions soient en Afrique ou à Londres. Recueillir beaucoup de données dans un temps relativement court est toujours un enjeu considérable, et même si on essaye de tout préparer à l'avance, il peut y avoir beaucoup de grains de sable qui pourra rayer la machine. Et dans notre cas, par exemple, il y a beaucoup de difficultés à visiter les sources d'ocre ou à réunir les collections de coquillages suffisantes pour une comparaison statistiquement valable avec le matériel archéologique, des problèmes techniques avec la voiture, les maladies, les morsures de serpents, les fièvres de tiques. La liste est longue des problèmes qu'on peut avoir en Afrique. Alors techniquement, c'est ici que l'on va loger. Toutes les géolocalisations en vert, là, ce sont les sources d'ocre que Africa a prévu d'échantillonner et qui sont toutes localisées plus ou moins autour du site de Pangaea Saïdi.
Pour l'instant, il y a une très bonne ambiance. L'étude du matériel archéologique qui nous a été confiée ouvre des questions auxquelles seul le travail sur le terrain sera en mesure de répondre. Donc plus on regarde les objets archéologiques et plus on a envie de partir sur le terrain. Fantastic place. But this is the place where they have to probably shoot the next Indiana Jones. My name is Samuel Musuko Shoka. This place I'm standing on is called Pangaya Saidi. Pangaya Saidi is a shrine. And Saidi was my grandfather, the father of my dad. He had been using it for prayers the traditional way. He opened this site to the community. So the community was coming to pray. Durant 80 000 ans, les habitants de Pangaya Saidi ont utilisé des pierres riches en oxyde de fer. Plusieurs découvertes dans les différentes couches archéologiques du site témoignent de cette activité. Les fragments d'ocre ont été modifiés par abrasion et piquetage afin de produire des poudres colorantes rouges. Une pièce d'ocre provenant d'une couche datée à 48 000 ans est gravée d'un motif schématique. De nombreux objets de parure ont également été trouvés lors des fouilles, en particulier des coquillages marins percés et des perles en œufs d'autruche. Des traces microscopiques d'ocre sur les objets de parure, ici une perle en œuf d'autruche, font penser que ces objets devaient être colorés en rouge. Here we have some other types of crafts, like here, and pisolites, which are things like this. De toute évidence, l'ocre rouge a joué un rôle majeur dans le mode de vie de ces populations. Mais d'où venait-elle ? Était-elle recherchée et collectée par les habitants eux-mêmes ou par échange avec d'autres ? Certaines variétés étaient-elles privilégiées ? Les sources d'approvisionnement, les techniques et les fonctions ont-elles changé au cours du temps ? Au moyen de cartes géologiques et de prospections sur le terrain, les chercheurs essayent de localiser les possibles sources d'ocre dans cette région. Les échantillons collectés et les pièces archéologiques feront l'objet d'études géochimiques en laboratoire qui permettront d'identifier les gîtes choisis par les hommes préhistoriques. Des micro-cristaux de quartz, mais je sais pas, peut-être c'est des micro-paillettes de manganèse. Ah, c'est bon.
Les chercheurs explorent en premier lieu le système karstique de Pangaea-Saïdi et les affleurements de minerais de fer situés au sommet de la colline qui surplombe le site. La recherche des sources d'ocre se poursuit à quelques kilomètres du site, où plusieurs mines de fer à ciel ouvert sont encore exploitées de nos jours. Oui, on peut le garder. Après, on peut faire une deuxième. Ça, c'est rassemble à... Ah ouais. Tu me vois ? Ouais. Il y en a un ouais, comme ça, sur le site ouais. Qui est comme ça. Comme ça. En échantillonnant d'autres affleurements, les chercheurs vont créer une collection de références dont l'analyse devrait permettre d'établir si les préhistoriques collectaient l'ocre localement ou se déplaçaient pour avoir accès à des minerais avec des propriétés particulières. My name is Samuel Karume. We are in the area of Mbuzi Quarry. This quarry started on a year 1993. This mineral, it is good for cement because without this mineral iron ore, nothing can be done in cement. So this is a good item, we say that. The woman who was a screening iron ore. Yeah. This is my portion of land. I'm mining iron ore. As they come here for mining this Maasai. This Maasai hair dressing to become color. Now, I've come here. This land I was given by, inherited from my father. That river mining also, they give us money. Sometimes they lost all the money. We don't get anything. The price also is low. The price is all low. They don't have maybe one wheelbarrow. They make it for 20 shillings. Now, corruption is very high, maybe. We don't get money. Pendant près de 40 000 ans, les habitants de Pangaea-Saïdi ont fabriqué des parures en utilisant des coquillages marins et des coquilles d'œufs d'autruche. Quelles espèces de coquillages ont-ils préférées ? Certaines formes ou tailles de coquillages étaient-elles privilégiées ? Ont-ils collecté les coquillages vivants ou bien les ont-ils ramassés morts sur les plages ? Comment les ont-ils modifiés et assemblés ? Les modes vestimentaires ont-elles changé au cours du temps ? Ces changements témoignent-ils de l'arrivée de nouvelles populations ou reflètent-ils une évolution culturelle graduelle? L'étude des parures archéologiques en laboratoire a déjà permis de démontrer que différents types de perles en coquilles d'œufs d'autruche, sans doute façonnées par plusieurs artisans, ont été égarées à Pangaea-Saïdi. Les chercheurs ont aussi découvert qu'entre 33 000 et 25 000 ans avant le présent, les habitants du site utilisaient des fragments de coquillages ronds perforés naturellement par l'action de la mer. La collecte de coquillages est réalisée sous contrôle des autorités kényanes sur plusieurs plages et zones rocheuses de la côte proche de Pangaea-Saïdi.
L'exploration des récifs doit permettre d'inventorier les espèces présentes et de les comparer avec celles découvertes sur les plages et dans le site archéologique. Elle doit, pour ce faire, prendre en compte les changements qu'a subi cet environnement. L'écosystème marin a changé au cours des 80 000 ans d'occupation de Pangaea Saidi par les préhistoriques. Des modifications importantes se sont aussi produites pendant les deux dernières décennies à cause du changement climatique et de la surexploitation des ressources marines, qui a conduit, entre autres, les autorités kényanes à mener une guerre sans quartier à la collecte illégale de coquillages marins par des collectionneurs. Durant ces différentes phases de prospection, une attention particulière est portée à la recherche de perles naturelles issues de l'érosion des coquillages appartenant au genre Conus, utilisées telles quelles par les préhistoriques. Au camp de base, les coquillages sont nettoyés, identifiés, mesurés, puis photographiés. Leur état de conservation et d'usure sont également enregistrés. Les chercheurs mesurent aussi les dimensions des cônes perforés naturellement et le diamètre des perforations. Ces données seront comparées à celles des objets archéologiques. Les coquillages seront ensuite conditionnés pour être expédiés vers le laboratoire en France. Après avoir préparé les échantillons géologiques et malacologiques pour en faciliter le contrôle par les autorités kényanes, les chercheurs se plongent dans le trafic routier pour se rendre à Mombasa, où ils prennent un avion pour Nairobi. À la capitale, ils se rendent au Musée national du Kenya, où ils essayent, avec quelques difficultés, de rassembler les signatures nécessaires à l'exportation du matériel collecté. Mais la complexité des démarches nécessaires les empêchera d'obtenir toutes les autorisations avant leur départ d'Afrique. Et c'est seulement un mois après que les échantillons arriveront à Bordeaux. Lors de l'arrivée des échantillons à Bordeaux, nous avons réfléchi au sein de l'équipe à la stratégie analytique à mettre en place. Une stratégie analytique, c'est toujours un compromis. Un compromis entre le type d'information que l'on souhaite récupérer, le coût, le temps des analyses, mais également la performance, la disponibilité ou encore le côté non destructif de l'appareil. Le travail sur le terrain nous a permis de localiser 9 des 12 affleurements qu'on avait initialement identifiés sur la carte géologique, mais aussi de collecter à peu près une centaine d'échantillons. De retour à Bordeaux, nous les avons séchés, nous les avons nettoyés et triés de façon à travailler avec un ensemble représentatif des types d'ocre qu'il y a disponible à Pangaea Saidi. Et on les a broyés, on les a pulvérisés afin de le pouvoir analyser avec plusieurs techniques.
quatre techniques sont privilégiées pour identifier les sources d'ocre utilisées par les préhistoriques. Le choix de ces techniques prend en compte des impératifs de conservation des pièces archéologiques. La spectrométrie de fluorescence des rayons X utilise la propriété de la matière de produire des émissions secondaires quand elle est bombardée par une source de rayons X. Elle permet d'établir la composition élémentaire des ocres archéologiques et celle de la collection de référence, par exemple la teneur en fer. La diffraction de rayons X utilise les propriétés spécifiques de la matière cristalline pour identifier et, dans une certaine mesure, quantifier les minéraux qui composent les ocres, en particulier l'hématite. La microspectroscopie Raman exploite la capacité de la matière à diffuser une lumière dont la longueur d'onde est, à cause des vibrations moléculaires, très légèrement différente de celle du laser utilisé pour l'exciter. En examinant le spectre issu de l'analyse, on peut identifier chaque minéral présent dans l'ocre. En analysant les ocres avec un microscope électronique à balayage, couplé avec un spectromètre de rayons X à dispersion d'énergie, les chercheurs peuvent à la fois différencier les ocres par leur structure et identifier à fort grossissement la composition élémentaire des particules qui les constituent. La spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif permet de détecter dans les ocres des éléments à des concentrations très faibles, dont la présence peut, dans certains cas, constituer la véritable signature d'un affleurement et identifier ainsi, avec certitude, la source d'ocre exploitée par les préhistoriques. La comparaison des données fournies par ces techniques, une approche qui n'a été que rarement appliquée en Afrique, à la fois sur les échantillons géologiques, mais aussi sur les échantillons archéologiques, devrait nous permettre d'identifier les sources, de comprendre les propriétés qui recherchaient les préhistoriques lors du ramassage des ocres, et aussi de déterminer s'il y a eu un changement de comportement au cours du temps. Notre collection malacologique de référence compte maintenant 1727 spécimens que nous avons collectés dans les 5 sites côtiers que nous avions préalablement sélectionnés pour l'opération terrain. Et maintenant, nous avons identifié dans l'ensemble du matériel 97 espèces de coquillages différentes. Alors, l'étude de tout ce matériel a commencé et donne des résultats très intéressants. Les préhistoriques ont sélectionné les coquillages les plus petits qui étaient disponibles dans leur environnement sur la plage afin de les utiliser comme des perles. Une analyse en composantes principales, qui prend en compte l'ensemble des variables enregistrées sur les coquillages et les perforations, précise ce résultat en indiquant que la dimension des perforations était aussi un critère de sélection. La routine de l'analyse et de la publication des résultats est brusquement interrompue par un email des collègues allemands qui ont fouillé Pangaea Saidi. Ils informent les chercheurs bordelais qu'une découverte majeure et totalement inattendue vient de se produire. Prélevé à la fouille à l'aide de bandes de plâtre, un ensemble de petits ossements fragiles s'est révélé être, en laboratoire, le squelette d'un enfant de 3 ans et demi. La datation des couches archéologiques ne laisse pas de doute possible. L'enfant est vieux de presque 80 000 ans. Et pourrait représenter le plus ancien homme moderne africain inhumé dans une fosse. Une dépression et un changement de couleur du sédiment a bien été observé à la fouille, mais il ne suffit pas à démontrer un enterrement volontaire. De plus, des fragments de coquillages et des possibles fragments d'ocre ont été découverts à proximité du squelette. Le corps de l'enfant était-il couvert d'ocre? Des coquillages ont-ils été déposés avec le cadavre? L'équipe bordelaise se rend à Burgos pour examiner les restes avec les archéologues allemands responsables de la fouille et les paléo-anthropologues espagnols qui sont en train de restaurer et d'étudier les restes de l'enfant. Ils effectuent des prélèvements à étudier à Bordeaux et discutent de la meilleure stratégie pour publier cette découverte majeure. And this is this. This is the foramen magnum, but what you're seeing inside are the vertebra, the cervical vertebra that are here. Mm-hmm. The shells were here. Mm-hmm.
And we have this little thing, you see here? This is shell. Yeah, I see, yeah. There's a shell there. This little thing, this little fragment. Right. Les fragments de coquillages découverts dans la fosse ne semblent pas pouvoir être interprétés comme des offrandes ou des objets de parure. Il s'agit des fragments d'un grand gastéropode terrestre consommé par les préhistoriques et présent dans l'ensemble des couches archéologiques du site. Les fragments découverts dans la fosse sont cependant beaucoup moins fragmentés que ceux découverts dans les couches d'habitat, et ça c'est un indice supplémentaire du fait que la fosse a permis la conservation des restes de l'enfant. L'analyse des particules rouges attachées à l'enfant, qui a été effectuée en collaboration avec les collègues de Burgos, conclut aussi pour une origine naturelle de ces dernières. Alors, leur petite taille, leur forme arrondie, leur répartition hétérogène dans l'argile, mais aussi la nature polymétallique des grands, suggèrent que ces particules rougeâtres étaient déjà dans les sols dans lesquels le corps était déposé. Nos résultats sur les ocres, les objets de parure et la sépulture de l'enfant montrent que Pangaea Said est un site archéologique clé pour comprendre l'origine de notre espèce. Le fait que certaines innovations ne se rencontrent que dans ce site et que dans d'autres sont partagées avec des sites d'Afrique australe comme Border Cave ou Sibudu évoque à la fois l'existence de trajectoires régionales distinctes et la création d'échanges culturels à longue distance. C'est de cette évolution biologique et culturelle en mosaïque qu'émergera notre espèce et les traits cognitifs qui la caractérisent. Zéro. Nous allons maintenant passer à un temps de débat. Je vous invite à poser vos questions via le chat YouTube qui est sur votre droite. N'hésitez pas, c'est ce qui va permettre de faire avancer les échanges. Et je vais proposer à nos quatre intervenants de se présenter. Francesco, peut-être pour commencer. Francesco De Rico, je suis directeur de la recherche au CNRS, au laboratoire PASEA, donc, que tu as déjà présenté dans l'introduction. Et professeur à l'université de Bergen en Norvège. Je suis un archéologue. Et peut-être deux mots par rapport au projet Cumila que vous avez piloté pour constituer un petit peu ce que vous avez mené par rapport au projet. Le projet a commencé en 2014. À l'époque, il n'y avait pas encore de découverte de l'enfant. Et c'est les collègues allemands qui ont fouillé le site et qui nous ont contactés quand ils ont vu que le site est touché à des couches bien plus anciennes du prévu, jusqu'à 80 000 ans. Et qu'ils avaient trouvé du matériel, des objets de parure, de l'ocre, des outils à noces, que nous avions. Donc, ils nous ont invités à les étudier. Ça marche. Solange, à vous. Bonjour, je suis Solange Rigaud, chercheuse au CNRS, au laboratoire PASEA à Bordeaux. Et je suis préhistorienne, spécialiste de l'analyse des objets de parure et des coquillages en général. Et j'ai rejoint le projet en 2018 seulement, puisque Francesco m'a proposé alors de contribuer à l'aide, pour l'aide à l'étude des coquillages du site. Bruno ? Oui, bonsoir. Donc Bruno Morey, directeur de recherche au CNRS. Je suis un paléoanthropologue biologiste. Je m'intéresse à l'évolution de l'homme. Je suis également un membre de PASEA comme Francesco et Solange. Je m'intéresse à l'évolution des Néandertaliens et de la lignée des hommes anatomiquement modernes. Et je n'ai pas fait partie des co-signataires de cet article, mais Francesco m'a demandé de participer à ces rencarts du savoir, eu égard à mon très fort intérêt que je porte aux pratiques funéraires des hommes du passé. Alain ? Oui, donc je suis Alain Kefelec, ingénieur de recherche au CNRS, spécialisé dans la caractérisation des matériaux et la sédimentologie.
Et dans ce documentaire en particulier, dans ce projet, je me suis principalement intéressé à filmer tout ça. Voilà. Je vous remercie tous les quatre. Alors, pour commencer, je pense qu'on pourrait déjà revenir sur la découverte de cette sépulture. Comment, déjà tout simplement, on définit une sépulture? Qu'est-ce qui fait qu'on est en présence d'une sépulture? D'ailleurs, des fois, on dit sépulture primaire. Est-ce que c'est le fait de déposer un cadavre intentionnellement quelque part, ou est-ce qu'il faut l'avoir recouvert de terre ou encore d'autres choses? Je ne sais pas. Bruno, peut-être que vous pouvez nous éclairer sur ce point. Oui, tout à fait. Alors, une sépulture, effectivement, c'est un endroit où nous, archéologues, on doit trouver suffisamment d'indices, pour supposer que les préhistoriques ont déposé volontairement un cadavre à un endroit. Alors, on dit primaire à partir du moment où il n'y a pas eu d'autres gestes funéraires qui ont été reliés à cette inhumation. Et donc, on va retrouver le corps dans la position pratiquement originelle à celle qui a été celle du dépôt. Et donc, on parle de sépulture parce qu'on pense qu'il y a des gestes funéraires qui s'inscrivent dans des pratiques et qui nécessitent qu'il y a eu un traitement du corps avec respect. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui a prouvé que dans le cas présent, c'était bien une sépulture? Il y a eu un travail, je crois, qui a été réalisé sur les sédiments. Alain, peut-être que vous pouvez revenir dessus puisque c'est vous qui avez travaillé sur cette partie-là. Oui, en effet. Donc, en fait, on a pu comparer le sédiment qui était vraiment au contact des ossements avec le sédiment des autres couches archéologiques. Donc, on l'a comparé d'un point de vue de sa composition chimique avec des analyses par fluorescence X. Et puis, on l'a aussi comparé d'un point de vue de la taille des particules qui composent le sédiment avec donc des analyses de granulométrie laser. Et ce sédiment a également été observé au microscope par un spécialiste de cette discipline, donc pour voir s'il avait été remué ou pas, comment il se comportait et comment les grains sont agencés les uns par rapport aux autres, en comparant toujours avec les autres couches archéologiques du site. Et donc, en effet, la chimie, enfin, tous ces éléments-là nous ont permis de dire que le sédiment qui était vraiment auprès du cadavre n'est pas le même sédiment qu'il y a à cette altitude-là normalement dans le site, et que donc c'est bien du sédiment qui était au-dessus qui a servi à re-remplir une fosse creusée. D'accord, donc ça prouve, vu la définition qu'on a eue auparavant, que c'est bien une sépulture. D'accord. Et alors, ce qu'on découvre dans l'article de Nature notamment et qui est passionnant, c'est qu'il y avait visiblement un support qui tenait le corps de cet enfant et celui-ci aurait été enveloppé dans un linceul, c'est ça? Est-ce qu'on peut revenir sur ces points, Francesco, par exemple, peut-être? Le linceul, on ne l'a pas trouvé. Et le coussin sur lequel reposait la tête, on ne l'a pas trouvé non plus. Donc, c'est des inférences à partir de l'organisation, de la disposition des ossements de l'enfant. L'enfant est extrêmement… Les ossements ne sont pas bien conservés, mais l'agencement des os est parfaitement bien conservé. Donc, les anthropologues qui ont travaillé là-dessus, ils expliquent cela en pensant que le corps a été enveloppé dans une sorte de linceul, peut-être un peau ou un matériel végétal. La seule chose qui a bougé, c'est la tête qui a basculé. Donc, c'est la tête et les vertèbres cervicales, normalement, s'il y a de la place, vont se détacher du corps et s'est déplacé tellement qu'on peut penser qu'à un certain moment, il y a eu un vide qui a fait que le crâne s'est détaché du reste du corps. Donc, c'est la précision du travail de consolidation, le CT scan, et l'analyse et la fouille en laboratoire qui a permis d'inférer ces comportements. D'accord. Et alors, cet enfant, qu'est-ce qu'on sait plus précisément de lui? Il y a une étude qui a été réalisée sur les dents qui montre qu'apparemment, il a des caractères primitifs. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs qu'il a des caractères primitifs par rapport à l'homme moderne? Oui. D'un point de vue morphologique, hein, il faut savoir que cet enfant, ce n'est pas le meilleur squelette pour pouvoir travailler en paléanthropologie parce que les ossements sont d'un enfant de 3 ans, donc ils ne sont pas très bien conservés. La seule chose qui est bien conservée, c'est les dents, qui sont des dents de lait. Mais maintenant, on a des techniques pour pouvoir les étudier, pas seulement sur la morphologie externe, mais également sur l'épaisseur de l'émail, sur la structure interne de la dent, des dents. Et c'est sur ça qu'ils ont, en étudiant ça,
sont découvertes certains caractères archaïques, mais il s'agit d'un homme moderne à tous les effets. Ces caractères archaïques semblent plutôt montrer ce qu'on commence à savoir déjà en Afrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une origine soudaine de l'homme moderne, mais il y a une série de caractères modernes qui s'affirment à partir de 300 000 ans. Donc cet enfant, c'est un enfant moderne, mais qui garde dans sa denture le souvenir morphologique de ses ancêtres. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces caractéristiques qui rappellent ses ancêtres, qu'on peut voir justement au niveau des dents, c'est propre à cet enfant, ou est-ce qu'on peut le généraliser, imaginer que ça veut dire que ses contemporains, par exemple peut-être celui qui l'a enterré ou celle qui l'a enterré, eh bien présentait ces mêmes distinctions morphologiques? Il est tout à fait possible, mais ce qu'on voit actuellement en Afrique, c'est que ces caractères modernes ne s'affirment pas de la même manière, à la même époque, que partout. Donc, c'est une sorte d'évolution en mosaïque qui fait que certains caractères modernes se trouvent sur certains restes, par exemple en Afrique du Sud, mais ne sont pas présents en Afrique de l'Est, et d'autres caractères modernes s'affirment, par exemple, en Nord d'Afrique. Donc, il n'y a pas une... Et cela, je dirais, est assez cohérent avec une vision de population qui échange parfois des gènes et parfois reste isolée dans un processus graduel qui va vers le moderne. D'accord. Bruno, vous voulez apporter peut-être des éléments par rapport à ça ? C'est un sujet très difficile parce qu'effectivement, d'abord, on a très peu de fossiles rapportés à cette période, hein, il faut le rappeler. C'est pour ça que c'est aussi une découverte absolument exceptionnelle, hein, et surtout pour ce territoire-là. L'Afrique est un territoire immense et relativement à l'Europe occidentale, elle a livré très très peu de matériel, et donc l'histoire de son peuplement reste assez mal connue. Cette découverte, elle est exceptionnelle parce qu'on n'avait quasiment rien pour cette période-là sur ce territoire-là, et ce petit enfant, il montre effectivement des caractéristiques sur ses dents qui sont celles d'hommes modernes, mais qui présentent aussi des traits qui ont pu être hérités d'une partie de son histoire génétique non moderne ou de dispersion d'une variabilité qu'on concerne toujours très mal. Donc est-ce que c'est l'évolution de cette population ? Est-ce que c'est des métissages avec d'autres populations qui expliquent ces traits ? C'est compliqué. C'est une première découverte sur une étape qui nous permettra de mieux comprendre ça dans le futur. D'accord. Alors, j'aimerais revenir sur un point que j'ai trouvé assez passionnant justement par rapport à cette découverte dans le documentaire. C'est le fait qu'on ait trouvé des coquillages et des pigments, ce sur quoi justement vous étiez venu travailler au départ quand vous êtes allé sur ce lieu, au niveau de la sépulture et ce qu'on aurait pu prendre en fait pour des objets peut-être de rites, de parures, des offrandes. Eh bien, en fait, ça n'en était pas. Et il y a tout un travail, finalement, de montrer que ça n'est pas. Et c'est tout aussi important. Il me semble, Solange, que vous avez pas mal travaillé là-dessus. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ces points qui sont évoqués dans le documentaire ? Oui. Donc, en fait, tout l'intérêt de la mission qu'on a menée là-bas, c'était de faire un échantillonnage des ressources naturelles qui sont disponibles à proximité du site et que l'on retrouve dans les niveaux archéologiques. Donc moi, en ce qui me concernait, les coquillages en particulier. Et l'idée d'aller collecter des coquillages à leur état naturel, c'est de voir justement, de comparer le matériel archéologique à un échantillon naturel de coquillages pour voir l'action de l'homme potentiellement sur les coquillages depuis la collecte jusqu'à leur utilisation, leur transformation, éventuellement leur consommation et leur dépôt sur le site. Donc, c'était l'objet du terrain. Et plus particulièrement concernant la sépulture, l'étude des fragments de coquillages qui étaient présents dans la sépulture, donc déjà, on montrait que c'était un petit gastéropode, enfin d'ailleurs, un gros gastéropode terrestre. C'est des fragments de sa coquille qu'on retrouve dans la sépulture. Et si vous voulez, en relevant les états de surface, en mesurant l'ensemble des fragments et en comparant toutes ces variables aux fragments du coquillage de la même espèce qui est présent dans les couches archéologiques environnant la sépulture, on a pu montrer qu'il n'y avait pas de traces de modifications anthropiques réelles sur les coquillages, les fragments de coquillage présents dans la sépulture. En revanche, un élément important, c'était que le taux de fragmentation à l'intérieur de la sépulture était beaucoup plus réduit que le taux de fragmentation dans les couches archéologiques environnant la sépulture. Ce qui indique bien que le sédiment présent dans la fosse de la sépulture a été préservé du piétinement qui a eu lieu dans les niveaux d'occupation qui entouraient la sépulture, ce qui était un indice supplémentaire
qui allait dans le sens que le corps de l'enfant avait été protégé par tous les gestes funéraires qui avaient été pratiqués, et notamment la fosse et son remplissage. D'accord. Concernant allez-y. Oui, concernant les pigments, ça c'est plutôt le travail de Africa Pitarch qui n'est pas ce soir, et de Alain, je pense qu'il serait, et de Xavier Le Bourdonnais, de François Xavier. Donc peut-être vous pouvez plus développer que moi. Alain ? Oui, en effet, donc vraiment au proche des ossements qui ont été fouillés à Burgos, hein, c'est vraiment une équipe internationale, comme l'a dit Francesco tout à l'heure. Donc l'étude des ossements et la fouille au laboratoire de ces os extrêmement fragiles a été réalisée en Espagne. Et donc ils ont trouvé, en fouillant ces ossements, des petites ponctuations rouges, des petits grains qui paraissaient être rouges et qui auraient pu être de l'ocre. Et on sait que l'ocre est utilisé partout dans le monde à énormément de périodes dans les sépultures pour recouvrir les sépultures ou pour recouvrir des parures, etc. Et donc ça paraissait aussi une possibilité que ces fragments rouges soient liés aux pratiques funéraires. Et donc Africa en particulier, oui, a travaillé sur leur caractérisation. Et en fait, elle a pu mettre en évidence que c'était des oxydes de fer, donc qui donnent cette couleur rouge, mais qui étaient tout à fait naturels dans le sédiment, et que donc on ne pouvait pas interpréter ces fragments rouges comme liés aux pratiques funéraires et à la sépulture. Donc en effet, comme vous l'avez dit, c'est aussi important de démontrer ce qui n'est pas exceptionnel pour ne pas faire des interprétations non plus qui débordent complètement de la réalité. Et puis en plus, ça peut poser aussi certaines questions. Par exemple, le fait qu'on n'ait pas trouvé de coquillage utilisé comme ornement dans la fosse, alors qu'on en a trouvé ailleurs sur le site. Qu'est-ce que ça peut dire ? Est-ce que c'est simplement qu'on ne le trouve pas alors que c'était là ? Mais logiquement, non, parce qu'on a vu que justement, ça n'a pas été dégradé, ça a été conservé cet endroit-là. Donc, est-ce que vous avez fait des hypothèses par rapport à ça ? Solange, peut-être. Non, en effet, il n'y a pas de. Ah, pardon, Solange. Non, je voulais juste dire, avant qu'on réponde à la question, c'est que oui. La raison pour laquelle on s'est tellement intéressé au coquillage et à l'ocre, c'est que la seule autre sépulture africaine, presque de la même époque, sur laquelle on a travaillé, mais qui a été découverte il y a très longtemps, qui est un nouveau-né dans un site qui s'appelle Border Cave, il avait, lui, associé un coquillage marin. Et le site est à 90 km de la mer, donc c'est vraiment un coquillage qui a été déposé dans la fosse, et ce coquillage est couvert d'ocre. C'est pour ça qu'en effet, lors de la fouille de Mtoto, les collègues qui ont fouillé ça en laboratoire, ils ont fait très attention parce qu'ils s'attendaient que peut-être il y aurait eu des offrandes sous la forme de coquillage et une présence d'ocre, ce qui n'a pas été le cas. Et en effet, c'est bien plus difficile de montrer que cette évidence est une fausse évidence que si on avait trouvé facilement des coquillages percés marins, nous aurait ouvert facilement la voie à un autre type d'interprétation. D'accord. Et concernant les objets de parure qui sont présents sur le site, donc en fait, donc la sépulture est datée autour de 78 000 ans, et c'est un secteur du site qui a été très peu fouillé. Donc on a quand même globalement peu de données archéologiques associé à cette sépulture comparé au reste des niveaux archéologiques qui sont plus récents. Mais disons que l'abondance des objets de parure commence autour de 33 000 ans sur le site. Ça a déjà été publié précédemment, notamment par Francesco et des collègues. Et donc, si vous voulez, il y a des indices peut-être autour de 60 000 ans, mais c'est très, très ténu. C'est un objet de parure. Donc, il y a probablement un fossé chronologique pour lesquels, à l'échelle de ce site-là, on n'a pas d'évidence d'utilisation d'objets de parure avant autour de 33 000 ans. Donc, il y a deux hypothèses. Donc, soit à 78 000 ans, sur ce site, dans cette région, les Homo sapiens sapiens n'utilisent pas d'objets de parure, soit ce que l'on connaît jusqu'à présent du site et l'étendue de la fouille n'a pas permis de vérifier encore qu'il y avait l'utilisation au moment de la sépulture des objets de parure. Donc, c'est la poursuite des investigations de terrain qui vont permettre probablement de vérifier cette hypothèse. D'accord. Donc, dans l'idée, il va y avoir encore pas mal de travaux qui vont être réalisés sur ce site. En fait, il y avait déjà des publications qui ont été faites. Il y en a une nouvelle formidable et c'est amené à être continué.
Alors n'hésitez pas, j'en profite, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat YouTube. Voilà, je continue avec les miennes, mais vraiment n'hésitez pas. J'élargis un petit peu en dehors de la découverte de cet enfant par rapport aux artefacts qui ont été trouvés. Vous étiez en train d'en parler des contemporains de l'enfant. Est-ce que vous avez pu faire des déductions un petit peu, des hypothèses sur l'utilisation de ces objets de parure, sur peut-être des significations? Solange. Bon, alors les objets de parure du coup qui sont présents sur le site pour les périodes plus récentes, donc c'est des analyses qui sont toujours en cours, mais en fait donc c'est toujours parce que il y a plusieurs types de données. Il y a concernant les coquillages le fait de pouvoir utiliser des données des populations modernes pour comparer au matériel archéologique qui là nous donne des informations sur les modalités de collecte principalement. C'est-à-dire que les coquillages utilisés en objet de parure sur le site ce sont quasiment la même espèce et ce sont des fragments qui sont ramassés sur la plage. C'est des coquillages déjà morts qui ont été roulés par le sable et on obtient des petits disques de coquillages naturels et naturellement perforés au milieu. Et ce type d'accumulation de coquillages, donc le site n'est pas loin de la côte. Mais après, c'est comme chez nous, il y a des environnements côtiers assez diversifiés, plus ou moins abrités, donc qui offrent des opportunités pour la biodiversité de se développer différente. Et donc, ces coquillages, on ne les trouve pas partout sur la côte. Donc, ça veut dire que ces gens-là, il y a 33 000 ans, sont allés à des endroits ciblés de la côte pour pouvoir piocher dans les accumulations naturelles de coquillages ce dont ils avaient besoin pour leur parure. Et dans cette collecte, donc déjà, ils ont choisi un biotope particulier, ils ont choisi des types de plages particulières, ils ont choisi une espèce de coquillage particulière, et au sein de ces fragments naturels, ils ont choisi, les dimensions qu'on a enregistrées sur les coquillages montrent qu'ils ont choisi des classes de taille et des perforations correspondantes particulières pour essayer de faire des objets de parure assez homogènes. Et l'autre catégorie d'objets de parure assez abondante sur le site, c'est les petites perles discoïdes en coquille d'œuf d'autruche. Donc Francesco a plus étudié et aussi sur d'autres sites et qui sont des objets de parure assez répandus pour le coup en Afrique en général et de manière assez diachronique et pas que dans cette région du Kenya. Si Francesco voulait en dire quelques mots. Oui, peut-être que disons, si parmi les auditeurs il n'y a pas de spécialistes sur l'origine des parures en Afrique, c'est peut-être intéressant de mettre ça en contexte pour expliquer quel est l'intérêt du site. C'est-à-dire que jusqu'à il y a une dizaine, quinzaine d'années, on pensait que les premières parures se développaient en Europe, il y a 40 000 ans. Maintenant, on sait qu'il y a des parures bien plus anciennes en Afrique du Nord et en Afrique du Sud. Mais on connaît très peu sur l'origine des parures en Afrique, mis à part ces deux zones. Donc, les parures plus anciennes ont 120 000 ans, et c'est des coquillages de marins, des gastéropodes, qu'on trouve en Afrique du Nord, au Maroc, et en Afrique du Sud, il y a deux ou trois sites avec des coquillages aussi d'une autre espèce, autour de 70 000 ans, 80 000 ans. Et après, donc, l'intérêt de Pangaea Saïdi, c'est que ces premiers parures dont Solange parlait, ces fragments naturels, n'existent qu'à Pangaea Saïdi. Donc, ils nous donnent des informations sur l'origine de la parure dans une zone de l'Afrique sur laquelle on ne sait rien et où il semble que ces parures naturelles, ces perles naturelles, se développent un peu plus tard qu'en Afrique du Nord, en Afrique du Sud. Et donc, c'est un élément d'un puzzle en plus et ça confirme l'idée que, d'un point de vue culturel, il y a plusieurs régions avec plusieurs trajectoires culturelles avec des innovations qui, en Afrique, ne semblent pas s'affirmer au même moment. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ces perles naturelles, après, qui sont rondes, donnent la suite à des perles en œuf d'autruche, qui sont elles aussi rondes et presque aussi petites que les précédentes. Donc, c'est comme si on passait de perles rondes naturelles à des perles rondes totalement façonnées. Et après, sous ces perles rondes façonnées, le travail qu'on a fait déjà, mais qu'on est en train d'affiner avec Solange, permet de montrer que ces perles en œuf d'autruche sont différentes les unes des autres
et on peut identifier la personne qui l'a fait. Il y a des styles différents, des tailles différentes. Donc, c'est, je dirais, il semble à première vue tout pareil, mais en effet, l'analyse microscopique et technologique montre qu'il y a un monde d'adaptation et de technologie derrière cette variabilité. Et là, vous êtes en train de parler de différents sites et de dire qu'on peut voir justement des différences se dessiner entre différentes régions d'Afrique. J'imagine qu'il va falloir, il faut espérer trouver d'autres sites pour pouvoir justement voir si ces tendances se confirment ou pas. Et il y a une question dans le chat justement qui est liée à cette, c'est vrai que cette question de comment on trouve ces sites fabuleux. Et donc c'est Delphine Charles qui nous demande comment est-ce qu'on choisit un site où fouiller, tout simplement. Cela semble un travail de fourmi, voire de chance dans ce cas. Et c'est vrai qu'ensemble, quand on avait préparé nos échanges, j'avais parlé de sérendipité et vous m'aviez dit, ben non, attention, on ne peut pas forcément parler de sérendipité parce que ce n'est pas non plus une découverte qui tombe comme ça. Et effectivement, il y a tout un travail et sans doute de choix de site. Alors, je vous laisse répondre là-dessus, justement. Bon, ben je peux raconter l'histoire de ce site, c'est-à-dire que comment ce site a été découvert. Vous savez que l'European Research Council, qui est une grande institution européenne qui finance des projets en archéologie comme en physique nucléaire et en astronomie, donc avait donné un financement à une collègue qui maintenant est directrice du Max Planck Institute for Human Evolution à Leipzig. Et son objectif était de faire des fouilles dans des grottes comme Pangaea Saïdi, mais pour éclaircir l'évolution culturelle dans l'Est de l'Afrique dans des périodes récentes, c'est-à-dire au cours des derniers 10 000 ans. Elle avait choisi une série de sites sur la côte, mais aussi dans les îles, à Zanzibar, par exemple, pour faire des fouilles. Et il se trouve que le postdoc australien qui s'appelle Cherry Shipton et qui est co-auteur de l'article dans Nature, donc il était en charge de la fouille à Pangaea Saïdi. Et s'est rendu compte pendant la fouille que ce site ne couvrait pas seulement la période des derniers 10 000 ans, mais qu'il y avait des couches bien plus anciennes. Donc, en effet, ce site, il a été fouillé, il a été découvert, je dirais, si on peut dire, par un processus de sérendipité, parce qu'on a trouvé quelque chose qu'on ne cherchait pas. Mais il faut de l'autre côté penser aussi que ce type de sérendipité est un élément constitutif de la recherche en archéologie. Parce que quand on commence à fouiller, même si on sait qu'est-ce qu'on fouille, on peut trouver aussi des choses qu'on ne s'attendait pas. D'accord, je comprends bien. Et si on imagine, justement, on voyait la différence qu'on peut avoir, notamment au niveau des objets d'ornementation entre différents sites en Afrique, pour imaginer faire des fouilles, carrément sélectionner un autre endroit où il pourrait y avoir un autre site. Ça se ferait comment? À partir de données géographiques, de type de terrain ou d'observations qui ont été rapportées et on vous dit ça serait peut-être intéressant de vous intéresser à cet endroit-là? Disons qu'en Afrique, les sites qui se sont donnés beaucoup de restes archéologiques, c'est des sites côtiers. Donc, je dirais... on connaît assez bien l'évolution des niveaux de la mer. Donc, je dirais que ça, c'est déjà un élément. On sait que dans certains endroits en Afrique du Sud, si vous fouillez une grotte dans une certaine localisation, vous n'aurez pas des couches très anciennes ou que vous aurez que des couches très anciennes du fait des changements du niveau de la mer qui laissent parfois ouvert des zones très larges, etc. Donc, ça peut être un élément. Très souvent, on fouille des sites qui sont déjà connus. Par exemple, actuellement, nous fouillons Border Cave. Je vous disais que l'enfant a été découvert en 1941 pendant la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, ce n'était pas moi à fouiller le site. Et il y a plusieurs fouilleurs qui se sont succédés sur ce site. Donc, il y a des sites en Afrique comme en Europe qui ont des énormes tailles. La Border Cave il fait 60 mètres de large, l'entrée de la grotte. Donc, il y a encore à fouiller probablement. Surtout que maintenant, on fouille très lentement, donc il y a encore à fouiller peut-être pour 50 ans, si on voulait continuer à travailler dans ce site. Donc, les sites anciens, parfois, sont des mines.
Alors, on reviendra peut-être après sur cet aspect du travail de recherche. Il y a plusieurs questions par rapport aux objets de parure. Alors, je vais en coupler deux ensemble. Je vais coupler la question de Plante et Santé et celle de Sylvain Garcia. Donc, Plante et Santé demande, peut-on imaginer que des objets de parure existaient mais n'ont pas été conservés? Exemple, plume. Et Sylvain Garcia dit, on parle beaucoup de coquillages pour les parures et un peu de coquilles d'œufs, mais est-ce qu'il y a des parures avec des pierres précieuses ou autres? Alors, voilà, on imagine d'autres exemples, des plumes, des pierres précieuses. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, la question des matériaux périssables est permanente hein, pour la préhistoire. Donc, c'est des matériaux qu'on ne retrouve pas, sauf conditions exceptionnelles, mais de toute manière pour des périodes récentes, pas pour des périodes aussi anciennes que celles dont on parle là dans le cas précis de ce site. Donc, oui, peut-être que des matières périssables type plumes, graines, fleurs, feuilles étaient utilisées pour se parer, mais ça, on n'aura pas la possibilité de le vérifier. Donc, il n'y a qu'une partie de l'information qui nous arrive. Concernant les parures, bon, alors là, la définition de pierre précieuse, semi-précieuse, ça c'est plutôt la minéralogie qui connaît, mais en tout cas, à Pangaea Saïdi, il n'y a pas de parure en pierre, mais de manière générale, dans l'archéologie, la préhistoire en général, il y a des objets de parure en matière minérale, pas forcément précieuses. Ça peut être d'ailleurs du tout venant, comme du calcaire, du grès. Mais oui, l'intérêt pour vraiment le côté valorisé du matériau minéral, comme ce qu'on appelle de précieux maintenant, ça arrive très très tard dans notre histoire évolutive. Oui, c'est ce que j'allais demander justement, si c'était quelque chose qui venait après. D'accord. Et alors, une autre question, tant qu'on est justement sur ces objets de parure. Question de Nat Kelly. Est-ce qu'on sait comment ils perforaient leurs coquillages? Mais alors, on a justement une réponse, c'est qu'ils choisissaient des coquillages qui étaient déjà perforés, si j'ai bien compris. C'est ça, pour les objets de parure en coquille marine, oui. Après, il y a les coquilles en œuf d'autruche qui, elles, sont perforées, par contre, à l'aide de petits forêts. Soit des pointes très très fines de silex, soit des pointes éventuellement avec un abrasif, des pointes très très dures en os ou dans un bois très très dur, on peut aussi perforer des coquilles d'autruche comme ça. Et ça, il y a des données ethnographiques d'ateliers de façonnage de coquilles d'œufs d'autruche qui existent encore et que d'ailleurs Francesco a dû observer, je pense, sur ces terrains. Oui, bien sûr. Et je voulais juste ajouter sur les pierres précieuses, c'est que même s'ils n'ont pas été utilisés comme objet de parure, le fait de ramasser, par exemple, des cristaux de quartz, c'est quelque chose de très ancien. Il vient de sortir un article sur un site africain où les hommes modernes, il y a plus de 100 000 ans, 110 000 ans, ont ramassé des cristaux de quartz. Il y a plusieurs cas même de sites néandertaliens, Homo erectus, en Inde, où des personnes, on ne sait pas pourquoi ils l'ont fait, mais le fait de ramasser des pierres qui pourraient paraître des pierres précieuses, transparentes, etc. Et parfois même de les utiliser pour les tailler, pour les transformer en outils, c'est un comportement très ancien. Et je reviens sur ce que vous expliquiez par rapport aux pointes qui étaient utilisées en silex pour faire justement des trous dans les œufs d'autruche. On a retrouvé de tels objets ou pas? Ou on imagine que à l'aspect justement de comment est creusé l'œuf d'autruche, c'est un tel objet qui a été utilisé? Mais dans les sites, il y a certains sites du Later Stone Age, c'est-à-dire la période, la fin du Later Stone Age, presque en époque historique, en Afrique, dans lequel on trouve des petits bâtons avec des résidus, des pointes qui ont pu servir pour perforer les œufs, les fragments d'autruche. Depuis plus d'un siècle, les sannes utilisent des pointes en fer. Ils ont en effet dès que les colonisateurs ont commencé à mettre du fil barbelé, ils ont compris qu'en défaisant le fil barbelé, ils pouvaient, juste en tapant les fragments de fil barbelé, faire des pointes de flèche. C'est là qu'ils ont abandonné la technique de faire des pointes de flèche en os et à la fois aussi de faire des forêts pour perforer les os d'autruche. Donc, c'est une technique qui a été abandonnée, celle d'utiliser des pierres, des pointes en pierre. C'est une technique qui a été abandonnée depuis plusieurs siècles. Et on arrive à comprendre comme ça même comment une technique est abandonnée au profit d'une autre. OK. Oui. Mais par exemple, pour les pointes de flèche,
La forme des points de flèche change parce qu'ils sont battus, donc elles deviennent triangulaires. Mais la technique d'ajouter du venin sur les pointes pour aller à la chasse, elle reste. D'accord. Alors, j'aimerais revenir sur un point qui a été évoqué rapidement par vous, Bruno, il me semble. C'est le fait qu'on ait trouvé pas mal de sépultures en Europe et très peu en Afrique. Francesco, vous avez cité celle de Bender Cave aussi. Il me semble qu'il y en a une troisième au niveau de la vallée du Nil. Oui. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a des explications sur le fait qu'on en ait aussi peu en Afrique? Est-ce qu'on a fait moins de fouilles en Afrique? Est-ce que ça se conserve moins bien? Je ne sais pas, je vous laisse nous donner des réponses, peut-être, Bruno? Oui, c'est une vraie question, et c'est une question que l'on se pose toujours, effectivement. Si on prend la totalité du continent africain, on est à peu près sur 31 millions de kilomètres carrés. Pour cette période-là, donc on va dire entre cette plus vieille sépulture, moins 78 000 ans, et une période plus récente qu'on va appeler le début du Late Stone Age, aux alentours de 40 000 ans, on a une sépulture donc à Border Cave, celle-ci au Kenya, une sépulture dans la vallée du Nil qui s'appelle Taramsa, celle d'un enfant aussi, à peu près du même âge, et une sépulture double et une sépulture d'un adulte dans un autre gisement qui s'appelle Nazlet Rater, à nouveau dans la vallée du Nil, qui est aux alentours de 40 000 ans. Donc relativement à ce qu'a livré la moitié de l'Eurasie, qui fait 50 millions de kilomètres carrés, pour la même période chronologique, on en a un petit peu plus en Eurasie. Maintenant, on a commencé à faire des fouilles en Europe occidentale bien avant les fouilles qui vont rencontrer leur succès en Afrique. Hein. Il y a à peu près, on va bien compter, 70 ans de décalage. Le milieu du 19e siècle pour l'Europe occidentale et la première moitié, enfin le premier quart du 20e siècle pour l'Afrique. Mais les conditions sédimentaires ne sont pas les mêmes. La préservation de gisements avec des séquences stratigraphiques, avec un empilement de sédiments et des couches archéologiques, comme l'a dit Francesco tout à l'heure, bien préservées sur des environnements côtiers, mais pour tout ce qui est de la forêt équatoriale, vous n'avez quasiment aucune chance de retrouver des sépultures. Dans des environnements désertiques où il y a très peu de sédimentation, c'est la même chose. Donc, effectivement, toute une partie des conditions environnementales naturelles du continent africain est peut-être moins propice à la conservation de sépultures que l'Europe de l'Ouest. Mais ça n'explique peut-être pas une partie de cette rareté. D'accord, c'est l'avenir qui nous le dira en continuant des recherches. Plus de fouilles, bien sûr. Et ce petit enfant lui-même, c'est une chance de l'avoir trouvé parce que le poids des sédiments, ce qu'on appelle la taphonomie, hein, de l'évolution donc de matière périssable dans les sédiments, ont beaucoup abîmé les vestiges de cet enfant. Et je reviens par rapport à justement le fait de réaliser des fouilles. Et Francesco, vous m'expliquiez que je demandais comment on trouverait d'autres lieux où faire des fouilles. Et vous me disiez que déjà, il y a des lieux qui sont en soi des mines d'or et qu'il faut justement continuer à les exploiter. Et il me semble que pour Bender Cave, vous m'avez dit que c'était découvert en 1951, quelque chose comme ça. Border Cave a été découverte en 1936. À 1936. C'est en 1936 qu'un paléanthropologue très connu, Raymond Dart, qui est le découvreur des premiers australopithèques et qui à l'époque était professeur d'anatomie à l'université de Witwatersrand à Johannesburg, a été alerté. Donc il s'est déplacé, c'est 700 km de Johannesburg quand même à l'époque, et il a fait une tranchée et il n'a rien trouvé. Enfin, il a trouvé des outils. À l'époque, lui était plutôt intéressé au reste humain et donc il a laissé tomber. Et après, quatre ans après, c'est un médecin du lieu qui lui a écrit en disant « Ici, il y a un fermier qui monte dans la grotte et qui fait des énormes trous avec des ouvriers en disant qu'il va utiliser le sédiment comme fertilisant. » Mais il a trouvé des restes humains. Donc, est-ce que vous pourrez envoyer quelqu'un ici? Alors là, Raymond Dart, il n'avait pas plus beaucoup de confiance. Il n'est pas venu. Il a envoyé trois jeunes chercheurs, un géologue, un anatomiste et un archéologue. Et c'est eux qui ont fait la fouille en 1941 et en 1942. Donc, il a récupéré les restes humains. Et c'est au cours de ces deux fouilles qu'ils ont trouvé cette sépulture d'enfants. Et ils ont fait un travail très bon. Et après, à la suite, il y a eu encore des fouilles faites dans les années 60 et 70 par un autre archéologue qui s'appelait Peter Beaumont et qui est décédé maintenant, que j'ai connu, avec qui j'ai aussi travaillé.
Et depuis 4 ans, donc c'est nous avoir repris la fouille. Donc c'est une très très longue histoire. Alors justement, c'était ça que je voulais évoquer, parce qu'il me semble qu'il y avait des fois des questions sur ces autres sépultures en Afrique, sur est-ce que c'est vraiment des sépultures ou pas, notamment liées par les technologies qui ont été utilisées à l'époque ou non pour dire qu'on est en présence d'une sépulture. Et justement, c'est une question que je voulais vous poser. J'imagine que vous faites des comparaisons entre différents sites, mais ça doit être extrêmement difficile de faire ces comparaisons en tenant compte du fait que l'étude n'a pas été réalisée avec les mêmes technologies, justement, et qu'il y a sans doute des fois où c'est plus hypothétique que d'autres. Tu as parfaitement raison. Dans le cas de Border Cave, par exemple, cette recherche s'est transformée dans une recherche d'archives. Et Bruno a mené beaucoup de recherches d'archives de ce type, c'est-à-dire que nous sommes allés dans les archives nationaux à Pretoria, en Afrique du Sud, et on a trouvé des photos inédites qui montraient bien qu'il y avait une fosse dans l'endroit où, sur le plan dessiné à l'époque, il y avait cette petite fosse. Donc, on a pu confirmer cela, on a retrouvé le coquillage, on a étudié le coquillage. Mais naturellement, par exemple, on n'a aucune information sur la disposition des ossements de ce nouveau-né à l'intérieur de la fosse. Et au contraire, c'est justement l'étude de la disposition des ossements dans le cas de Pangaï et Saïdi qui a permis de reconstituer les gestes funéraires. Donc, c'est évident, par exemple, la datation de l'enfant de Border Cave à 74 000 ans se fait sur la base d'une corrélation avec une séquence datée, mais cette séquence, elle est à plus de 10 mètres de l'endroit où l'enfant était trouvé. Donc, c'est simplement par des corrélations stratigraphiques qu'on pense que l'enfant avait 74 000 ans. Bien sûr, ce n'est pas la même précision de Pangaï et Saïdi, où la séquence entière est datée par carbone 14 et OSL, et même il y a des grains de quartz trouvés à l'intérieur du crâne de l'enfant qui ont été datés. Maintenant, relativement à cette question, on a la chance pour ces sépultures africaines qui ont été mises au jour avant celle-ci, qui a été très très bien fouillée, d'avoir eu tout le temps archéologiquement de très bons indices archéologiques traduisant un geste funéraire, puisque tu avais des creusements de fosses. La fosse a été vue à Border Cave par les fouilleurs. Les fosses ont été vues à Nazlet Crater pour ces individus inhumés. Et l'enfant de Taramsa, lui, il est également inhumé dans une position très particulière. Il est un petit peu en position assise dans une galerie de mines d'exploitation de silex à cette époque-là. Donc, ce sont obligatoirement des gestes volontaires qui ont amené ces corps à être très bien conservés. Alors je vais poser une dernière question pour conclure, justement un petit peu en lien avec celle que je vous ai posée maintenant. Francesco, vous parliez de précision par rapport à Pangaï et Saïdi, par rapport justement à l'autre exemple que j'évoquais. Est-ce que justement la précision qu'on arrive à avoir aujourd'hui, elle est liée avec cet aspect collaboratif de la recherche, puisque comme je le disais, là ce qui est assez impressionnant derrière cette publication dans Nature, c'est le nombre de laboratoires et le fait que ça soit aussi international. Donc ma question, elle est double. C'est à la fois comment vous travaillez et quelle importance de collaborer ainsi au niveau international, j'imagine peut-être pour que justement chacun puisse amener ses connaissances et ses technologies aussi qu'on ne trouve peut-être pas partout à chaque fois. Et pourquoi on a fait appel à vous, à Bordeaux, justement dans le cas de M-Toto. Oui, tu as tout à fait raison à mettre en valeur ce côté de collaboration. Ce côté de collaboration, il faut savoir qu'il a aussi ses côtés, je dirais, non négatifs, mais son challenge, parce que ces collaborations ne peuvent que s'inscrire dans des temps longs. L'enfant est pris, il est amené dans un laboratoire, il y a une technicienne qui a fouillé ce petit bloc, qui a graduellement consolidé les ossements, le CT scan qui a servi pour pouvoir repérer les ossements, les analyses géochimiques. Donc, ce n'est que des chercheurs qui ont la capacité de mener ces collaborations. Et quand on a commencé cette collaboration, on ne pouvait pas s'imaginer qu'il fallait attendre 3 ans pour sortir le papier. Et parfois, ce n'est pas tout le monde qui peut faire les analyses en même temps. Donc, c'est des choses qui demandent aussi un investissement, une continuité dans le temps. Et voilà, je dirais que
derrière, il faut avoir des financements. Nous avons eu la chance d'avoir le financement du LABEX et par la suite un deuxième financement qui nous a permis d'aller sur le terrain, de terminer le film. Voilà, ce n'est pas toutes les équipes qui ont cette chance de mener à bien ce travail. Et naturellement, à chaque fois qu'il y a un petit changement, c'est suffisant d'aller voir dans les supplementary material, dans les extended data du papier. Il aurait pu avoir une monographie de 250 pages plutôt qu'un article sur ça. C'est vraiment un travail un peu de fourmi et aussi de coordination entre différents chercheurs. Donc, ce n'est pas... derrière, on aurait pu publier cette sépulture dans une revue spécialisée en donnant un tiers des informations, mais pour arriver sur ce type de revue, il faut vraiment faire un effort collectif qui demande beaucoup d'investissement. Et de temps. La raison pour laquelle on a appelé nous, c'est que à Passé 1, on est connu pour faire un travail sur l'origine des comportements symboliques et sur notre capacité à appliquer des techniques à ces premiers objets symboliques, ocre, objets de parure, outils à nos. C'est une renommée qui s'est construite au cours du temps. Et quand ses collègues allemands ont trouvé ce matériel, ils nous ont dit « Bon, on pense à vous parce que nous savons que vous serez sans doute capable d'en tirer plus que d'autres laboratoires. » Donc, c'est quelque chose qui se construit dans le temps, la confiance qu'on peut avoir dans des collègues qui sont spécialisés dans l'étude de certains éléments de la culture matérielle. Alain, Bruno, Solange, est-ce que vous avez des éléments à ajouter par rapport à ce qu'a dit Francesco? Le temps, c'est la clé du problème, hein, le temps et les ressources humaines. Trouver une sépulture comme cela, pour vous donner une petite idée, moi j'ai eu la chance d'en fouiller une qui avait été mise au jour en 1914, en Dordogne. Une personne toute seule sous le binoculaire, 150 jours de fouille. Voilà. Quand on est en présence de ce type de vestiges, quelquefois en consolidant les ossements avec de l'acétone, parce que si je les consolidais à l'eau, ils fondaient, donc il fallait le faire avec un liquide encore plus volatile. Alain, Solange, par rapport à cet aspect collaboratif et du temps long qu'il faut bien avoir, bien prendre en compte et en avoir conscience derrière ces travaux. Oui, tout à fait. Vas-y, Solange, vas-y. Ah. Non, j'allais dire l'aspect collaboratif, effectivement, et le fait qu'on ait ici à Passéa une équipe avec des spécialistes qui couvrent des champs disciplinaires et vraiment des savoir-faire sur des équipements techniques qui sont très, très couvrants et diverses. Et c'est ça qui fait la force de notre travail. Donc, c'est le fait qu'on puisse rassembler tout un tas de compétences avec des chercheurs et des ingénieurs derrière, c'est ça qui fait la force. Alain, vous vouliez ajouter quelque chose ? Tout à fait. C'était vraiment un travail extrêmement international. On voit qu'il y a, sur les coquillages, pendant la fouille du site, il y avait aussi un Australien qui avait travaillé. Les datations, elles ont été réalisées par un Norvégien. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses très différentes. En effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi tous ces appareillages et toutes ces machines qui ne sont pas forcément présentes dans tous les laboratoires du monde. Et donc, parce que c'est des machines qui peuvent être parfois très coûteuses. Et donc, on a quelques machines ici à Bordeaux. Il y a d'autres machines qui vont être dans d'autres laboratoires ailleurs. Et donc, les gens qui gèrent la fouille et qui sont vraiment à l'origine du projet, ils vont aller chercher les meilleurs spécialistes de chaque domaine un peu partout pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et en effet, ça prend du temps, du coup. Ouais. Et oui. Je vous remercie tous les quatre. Et puis, je vous remercie aussi qu'à travers vos travaux, vous nous donniez une formidable machine à remonter dans le temps et qui nous permet d'entrevoir un petit peu ce que pouvait être une époque très lointaine, dont on esquisse pour l'instant que certains aspects, mais j'imagine qu'on en apprendra bien plus si on continue à favoriser et ce temps long de la recherche et qu'on met les investissements derrière aussi. Et je remercie tous nos internautes qui nous ont suivis jusqu'à la fin de ce live.
Je vous invite à notre prochain Café Débat qui sera peut-être sur YouTube ou peut-être à la Halle des Douves. Nous ne savons pas vraiment encore. C'est lié, bien sûr, aux raisons sanitaires. Ça sera autour du genre, des genres. Voilà, ça sera donc le 21 mai à 18h30. Et puis, je tiens à remercier aussi, bien sûr, l'Université de Bordeaux et pour la programmation et pour la régie de l'événement. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.